Salut à tous, ce matin on est place des musiciens, je suis accompagné de Foued. Bonjour Foued, Hey. qui démarre le drone, on va faire un petit plan drone avant de partir. Et on va se faire une petite rando de 35-36 km, direction le Donon. On est parti. Ça y est, on s'est mis en route, on a fait un petit plan drone. Allez, en avant l'aventure. En avant l'aventure. On va attaquer tout de suite par 7 km de montée. Et ce qui est intéressant dans cette rando, c'est que on a vraiment voulu faire dans le minimalisme. On a voulu vraiment faire avec les moyens du bord le plus léger possible. En fait, c'est pas du tout vrai. On a pris la côte de bœuf, on a la grille, les patates. Les patates, mon sac fait 17 kilos. Voilà. Mais bon, on est pas loin des 30 kilos à nous deux. Au moins, on va bien s'éclater. Bon, on grimpe sec là. Ça fait bien longtemps que j'avais pas marché avec un sac de 18 kilos sur le dos. Je peux vous le dire que je le sens dans les fesses et sur les épaules. Une petite pause là. On allume un petit coup de drone puisqu'on a pris un peu d'altitude, donc on va avoir un beau point de vue. Ça va être cool. Bon, en tout cas, on n'est pas loin du premier point de passage. On doit être à 2 km, 2,5 km de la porte de pierre maintenant. Donc c'est un bel ouvrage en roche. Donc il n'y en a plus pour longtemps. Et ensuite, on attaque encore de la montée pour arriver jusqu'au rocher de Mutique. Donc je pense que ce sera le point de midi pour manger. Et voilà, on est bien arrivé à la porte de pierre après une bonne montée. Que penses-tu de cette montée? Magnifique édifice. Parler de la montée. Très belle montée aussi. Une montée bien dodue. Bien dodue. Du coup, la porte de pierre, t'as un peu un quoi? Putain, ça monte sec. On vient de repartir, on se dirige vers le rocher de Mutzig où on va manger ce midi et à peu près 40 minutes. Donc nickel, on a quasiment arrivé en haut de la pente et mon acolyte est à la traîne. J'ai claqué le magnifique chapeau à l'occasion de notre arrivée au rocher de Mutzig. Idem. Idem. Bon, toi ça va, c'est une casquette, c'est tranquille. Et puis on se dirige vers le Donon pour ce soir. Qui est loin, loin, loin. Qui est loin, loin, loin. Là-bas avec l'antenne. Qui est loin. Voilà, on va là-bas pour ce soir. Donc en attendant. En attendant, c'est saucisson sardine. On mange. On mange. Thank you.
Allez, on repart. C'est parti. On s'est pris une bonne petite rincée de la grêle fondue. C'était cool. Sinon... Et on a la désagréable surprise de voir que les batteries de drone ne se rechargent pas. Ouais, on sait pas. On remédie à ce problème ce soir. C'est vrai qu'on n'arrive pas à recharger les batteries de drone sur les batteries, etc. On a fait des jolis plans. Quand même, malgré tout. On verra. On verra tout ça au montage. Bon, Fred a vraiment eu envie de tester l'amadou, là, les champignons qui poussent sur les arbres pour allumer du feu. Moi, j'y crois pas, mais bon, en tout cas, il a l'air... Motivé. Motivé. C'était pas rien de l'avoir. Très. Je l'ai eu. Ouais. J'ai trouvé les armes pour, je me suis battu et j'ai quand même réussi à décrocher mon trophée. Je partirai pas sans. L'essai ce sera ce soir en direct. Vous verrez ça, si ça prend, si ça prend pas. En tout cas, voilà, je pars avec mon mamadou. Et voilà, j'espère juste qu'il va pas me taper dans l'occiput. Et on verra bien la suite. La suite au prochain numéro, les gars. Bon, allez, on attaque une sacrée descente là pour ensuite remonter sur le Donon. En attendant, tout à l'heure, j'ai la cheville qui s'est tordue, je suis tombé, j'ai fait une petite chute, et j'ai la grille de barbecue que j'ai accrochée derrière qui m'est arrivée sur la tête. Ça a failli me fendre l'occiput. Pour la petite info, c'est un défi de placer le mot occiput dans la vidéo, donc c'est tout à fait réussi. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est validé. Ça c'est validé. Bon. On est sous l'orage, en une putain d'averse. Franklin nous a rejoint. Franklin nous a rejoint dans l'aventure. C'est Franklin. Il est là pour jouer avec toi. Ah putain. Mais le moral ne baisse pas. Enfin, on essaye. Ouais. J'espère que ça va pas durer, c'est juste ça. Bon, j'enlève la caméra parce qu'il flotte à mort. Je vais mettre la capuche. Bon, bien arrivé au Donon. Le temple, on le voit tout là-bas. On voit pas bien, mais il est juste là-haut, là, la petite forme. Je pense qu'on va y monter. Oui, on va y monter. C'est sûr qu'on va y monter. Comme ça. On est des winners. On est des winners. Donc, parce que là, on a essuyé une belle pluie d'orage. Mais bon, ça s'éclaircit, donc c'est bien. Ça a l'air de bien s'éclaircir même de l'autre côté là, je suis content. Allez, dernier coup de collier pour finir l'ascension. Il reste quelques lacets pour arriver au Donon. Et pour arriver pile poil pour l'apéro. Et en plus de ça, le soleil est revenu. Donc ça c'est top. Il n'y a plus aucun nuage. Donc on va avoir un beau coucher de soleil. Et ça, ça va être top. Ça va? Ça va, on est là. Il est là. Pas de problème. Pardonnez le look tout à l'heure. La pluie était avec nous et du coup j'étais obligé de me couvrir. On aurait dit tout un pèlerinage ecclésiastique. Ok, le deuxième mot est placé, c'est bon. Nickel. Top. Voilà, on vient enfin d'arriver au Donon. La dernière ascension casse littéralement les pattes. J'en avais le souvenir de la dernière fois que je suis passé par là. En tout cas, on est arrivé, ça fait du bien. Bonne nuit. Belle ascension. Ça y est. Putain de journée quand même, on a quand même fait 20 bornes, 1200 de D+. Donc bonne journée quoi. Ah oui, oui. La première pour moi comme ça. La première pour lui comme ça, et franchement il a tenu. C'est un champion.
La belle côte de bœuf qui marine. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer ce matin parce que cette nuit on s'est pris un putain d'orage et on était dans une légère pente, donc il y a eu une coulée de caca et du coup on a dû ranger ça un peu à la hâte et là on repart après le petit déj. Donc là on a à peu près 15 bornes à faire pour rejoindre la voiture et on a que de la descente. Et il fait un temps de merde. De la brume. Il y a de la brume. Il pleut pas, heureusement, encore, mais ça ne saurait tarder. Ça va être bien. Allez, c'est parti. Et puis j'avise, la communauté YouTube à bien choisir son coin à caca. Parce que ce matin, je me suis fait coller derrière une pierre. Accroupi par terre. Le gars était choqué, quoi. Ah, il était choqué, il était là, il était monté au Donon pour faire sa petite méditation, et puis il s'est retrouvé nez à nez avec un mec en train de chier. Donc, pas top. Bon, itinéraire de base, on était censé remonter au petit Donon, sauf qu'il y a trop de brume. Du coup, on a fait un petit raccourci. Et on va se faire un petit coup de drone, parce que malheureusement, on n'a pas pu hier au Donon, il y avait beaucoup trop de vent. C'est dommage. Mais bon. On va essayer d'en faire un ici, on arrivera peut-être à le choper, mais je pense qu'il est encore dans la brume le dos. À suivre. Pause manger sur le rocher solaire. Ouais, exactement. Petite pause manger bien méritée. Franchement bien méritée. Parce que on va pas dire qu'on en a pas bavé. J'aurais bien bavé. Hein. J'ai laissé quelques traces d'ectoplasme au fond du maillot, j'ai mieux vous le dire. Loin d'être évident. D'ectoplasme. Ouais, tout à fait monsieur. D'accord. Allez, on repart après la pause. Nous possédons la douleur. Il nous reste 7,50 km avant de rejoindre la voiture. Et après 2h30 de route. Ça va être bien. Ça va sentir le panard dans la voiture. On est arrivé, ça y est. Ça y est mes aïeux, on l'a fait. On l'a fait mes aïeux. On peut reposer en paix maintenant. Bon, ça y est, on a l'arrivée à la voiture, donc la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et restez connectés pour la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo ce sera le tour des Aravis dans les Alpes. Donc ça va être top sur 3 jours avec 2 potes. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao.